quando la mamita hace el tacatá. Tacatá, bro. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Ataca yo, el mío también. Un petit peu de votre société. Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur le stand de Lingador. Nous sommes une société hollandaise et on fait deux fois par an collection. Pour maintenant, on présente la collection printemps-été 2013 et on a quelques nouvelles tendances. On a aussi, on est maintenant dans Cuba avec les maillots de bain et on a 10 séries. Donc c'est beaucoup et avec pour jeunes, pour plutôt une femme plus âgée, on a un peu partout. Après on a la lingerie et les nouveautés pour la lingerie c'est les grandes tailles, on va jusque bonnet G, donc ça c'est nouveau. Et on a permanente, ça s'appelle Lingador Daily et aussi là-dedans on vient toujours avec des nouveautés. La clientèle française est un peu différente? Plutôt des boutiques, mais on a aussi quelques internet qui, comme un 3 Suisse. Alors vous représentez combien de collections par an? Deux fois, oui, en hiver et en l'été. Et en hiver, on a Lingador, on a Moments by Lingador, c'est la sœur, c'est plus luxe, plus spécial, c'est pour la femme qui est un peu plus dynamique. Et le loungewear, donc c'est du nuit, mais du nuit où on peut porter comme ça aussi pendant le jour. Et en été, on vient avec les maillots de bain surplus. Le salon de Paris est important pour vous? Pour nous, c'est très important parce que c'est ici qu'on peut présenter. Oui, et qu'on peut rencontrer aussi tous les pays. Donc, c'est ici. C'est international pour nous. Oui, c'est pas surtout pour le marché français, mais pour vraiment pour voir tout le monde dans le monde. Parce que vous, oui. Dans votre pays On a aussi des foires, et on fait des foires en Allemagne, on fait des foires en Angleterre, donc on est présent dans tous les pays qu'on peut, et maintenant on est présent dans 50 pays déjà, donc on essaye toujours de grandir un peu, voilà. Alors vous n'êtes pas inquiet, on parle de crise, des choses comme ça, mais peut-être pas dans ce domaine-là. Aussi, mais c'est je pense que tout le monde est touché un peu, mais c'est aussi un avantage de faire des nouveautés, de vous présenter encore et de rester, voilà, et de rester positive et voilà, c'est... Ouais. Est-ce que le facteur prix, par exemple, compte sur les... Oui, et ça, on le sent parce que nous, on est dans un prix de gamme moyenne gamme, donc voilà, là on sent que la crise est là, donc parce que on est dans un bon prix, je pense. On devient, c'est aussi notre slogan, c'est affordable luxury, donc on donne du luxe pour un bon prix. Alors sur le défilé là qu'on a vu là, oui. Quelle est la particularité de cette année? Il y a quelque chose qui se détache dans la tendance ou pas? Dans les matériaux, dans les choses comme ça? Oui, on a une nouveauté dans la lingerie, on vient sans couture. Sans couture. Donc chez nous c'est nouveau en fait. D'accord. Oui. Donc je vous remercie infiniment, madame. Merci bien à vous.